Dernier jeu du Terrator Simulator. On a eu des perles avec Dinosaur Hunt Africa Contract. On a eu une perle absolument incroyable à 0€ avec Christmas Shopper Simulator 2. Mais là, on va jouer à un vrai jeu. Un vrai jeu Steam, mesdames et messies, qui coûte 25€. Vous vous rappelez quand j'ai fait Éboueur Simulator et tout? Eh ben, on savait qu'il manquait quelque chose à ce jeu. Eh bien, figurez-vous que des gens ont trouvé la même chose. Ils se sont dit, pourquoi pas faire un jeu de gestion complet dans lequel on gère tout le nettoyage de la ville avec tous les services de nettoyage, qu'on nettoie les rues, qu'on nettoie les poubelles, qu'on nettoie toutes les conneries. Donc j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter City Economy Service for Your City. Donc, une seconde, mesdames et messieurs, j'arrive. Je vous envoie le jeu. Il coûte évidemment 25€. 25€, ouais. Pas de musique dans les menus. On n'est pas là pour ça. On est là uniquement pour de la haute qualité. On peut jouer à la manette. On peut jouer à la manette, évidemment. Et c'est un jeu de... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. On va donc lancer une partie. On va tout de suite aller dans ce jeu, voir un petit peu ce qui se passe. Correction gamma. Un peu plus de gamma, peut-être. Oh putain, là, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Dommage que vous puissiez pas voir. On va lancer une partie, c'est parti. Nouveau profil. Alors, est-ce qu'on peut jouer merveilleusement à la manette? Non. Ah, on dirait moi. Formidable. Ah ok, c'est genre y a pas de truc. D'accord. Formidable. Logo de la société. On va prendre une petite clé. Une clé. Difficulté intermédiaire. Vous avez suffisamment pour lancer votre entreprise, mais vous ne disposez pas de fonds importants au départ. Les prix des véhicules, des bâtiments et des carburants sont répartis sur intermédiaire. Excellent. Ça me va comme niveau de difficulté. Ça me paraît pas mal. Un jeu d'Andrew Burger. Aucune idée. Non, évidemment que non. Andrew Burger, on ne fera plus de ces jeux. Hein. Et attention, parce que si vous continuez, la blague va devenir plus très marrante. Donc, utilisez-le avec modération. Devenez un des piliers de la collectivité locale en gérant la collecte des déchets. Vous commencez avec un camion poubelle et un camion de recyclage du plastique dans le quartier résidentiel. Après, on aura agent d'entretien des espaces verts, installation des sanitaires, donc des toilettes, agent de remorquage et enfin agent d'entretien d'espace public. Et ça vous rappelle pas des choses, ça? Ça vous rappelle pas le seul truc sur le seul, comment dire, la seule vidéo sur YouTube qui permet de remorquer quelqu'un sur je sais plus quoi, City Simulator? Hein? Bref. Temps de jeu 0, donc on commence à partir. Il y a du multijoueur, c'est normal. Comme tous les bons jeux, évidemment. Pas du tout. C'est un truc qui ne veut absolument rien dire. Alors je vais essayer de jouer à la manette. Je ne sais pas si ça va être possible, mais Roger. Ouais, non, attendez, pas chier. Des camions MAN, des camions qui existent. Une marque, évidemment, qui existe. Bien sûr. En fait, c'est une simulation qui simule plusieurs autres simulations. Exactement. C'est simulator, gestion de ville simulator. On voit que le chargement en bas en a pour des années. Super. Excusez-moi. Son que à gauche ou c'est moi? Ah non, non, ça doit être toi par contre. Calmez-vous. Ce son du menu, c'est horrible. Je suis d'accord. Alors en fait, j'aurais bien fait back pour recréer le profil et mettre Roger, mais vu le temps de chargement, ça me gonfle. Ça me gonfle grave, donc du coup... Donc tant pis. D'accord? Hein? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la peluche de Koro Zerator? J'en ai évidemment acheté 60. Bienvenue dans City Economy. Alors, félicitations. Bon, ça ne marche pas, évidemment, la manette. Fallait pas rêver non plus. Félicitations. C'est votre première journée dans la peau du gérant d'une société de services de collectivité. Pour commencer à travailler, trouvez le responsable municipal qui vous attend non loin d'ici pour vous confier une quête. Des conseils s'affichent en haut, à gauche de l'écran. Vous allez avoir beaucoup de travail en ville, alors il est temps de vous y mettre. Bon courage. C'est ça. Un jeu qui est raciste, normal. Alors au travail, accepter une mission donnée par un personnage. Oh là là, ça lag. Ou choisissez-en une dans la liste des missions. Oh ça lag, ça lag, ça lag. Oh ça lag verte. Va falloir baisser les graphismes. Eh oh, copain pilote. Alors lui, il a une quête évidemment. Donc World of Warcraft est encore présent à instaurer des codes simples, mais qui fonctionnent du questing dans le jeu avec le point évidemment d'exclamation. F pour accepter la quête. Ah non, F c'est pas pour accepter la quête, c'est pour lire la quête. Contrat de collecte de déchets. Bonjour, bienvenue. Alors, l'épluche, j'épluche un château fort et je débouille Francis Lalanne. Tu ne peux pas, Danny Briand mange de la litière en diagonale. Bonjour, bienvenue. Merci à toi Squill pour cette donation. Bienvenue dans votre ville et dans le quartier résidentiel. Je m'appelle Tom et je travaille à la mairie. Oui, ça on avait deviné. Cela fait un moment que ce quartier n'a pas bénéficié des services d'une entreprise de collecte des déchets efficace. Je suis content de vous avoir. Traduction. Ah, c'est vraiment un quartier de gros porc.
Votre première tâche vous attend. Le ramassage des déchets doit être effectué. C'est votre ressort. Revenez me voir lorsque vous aurez fini pour obtenir une récompense supplémentaire. Acceptez. Suivez les instructions en haut à droite de l'écran et fiez-vous au repère de la mini-carte pour mener à bien la mission. Vous pouvez aussi vous repérer sur la grande carte de la ville. Ok, j'ai 4 mails. Majuscule enfoncé pour marcher. Ok, espace sauter. Déjà on peut sauter, donc ça c'est un bon jeu. Revenir au camion, tab. Déplacement vers le camion, il est juste à côté. Ok. Alors conduis jusqu'à la benne à ordures. C'est parti. C'est bien parce qu'on a les contrôles qui s'affichent là. Et donc comme ça on a une sorte de moyen mémotechnique. Un moyen de ne jamais oublier. Alors klaxonner H. Piéton de mort. On va tenter une sortie. Poussez-vous. Ah c'est bien, je vois que c'est un jeu dans lequel... Ah merde. C'est un jeu dans lequel les voitures déjà sont toutes grises. Et en plus les voitures freineront. Ah non, les voitures ne sont pas toutes grises. C'était juste un petit bug de texture. Heureusement les gens me laissent passer. Alors nous allons aller collecter les déchets aux bennes à ordures. Il y a un putain de raccourci là par contre. Ça c'est une bonne entreprise de collecte des déchets, vous voyez. Elle fait un petit peu des raccourcis. Oh, les voitures sont en titane. Alors une seconde. Justement Buck Raki31 l'a bien compris. Bienvenue à toi Raki31, merci de ton sub. Alors ça, est-ce que le paquet de chips va me gêner ou pas? C'est bon, les gens aussi sont en titane. Faites plus attention, vous avez reçu une amende pour avoir renversé un piéton. Bah écoutez, est-ce qu'il a l'air renversé ce piéton ou pas? Non. Je trouve qu'il avait pas l'air renversé. Alors, benne à ordures. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on doit... Ah oui, on va pouvoir sortir du véhicule, excellent. Je crois qu'on est à contresens, mais peu importe. On apprend le jeu, c'est normal. Ok. Déployez d'abord les bras du camion. Merde. Au moins on nous donne les indications, moi j'aime bien. Alors déployez les bras. C'est quoi? Gyrophare allumé. J'entends ramasser les poubelles, vous attendrez. Alors déclenchez les bras du camion, en fait ça doit être en extérieur. Déployez les bras. Ah bah c'est là. Ah il pleut. Il pleut dans le jeu. Ok, on a déployé les bras du camion. Là on va chercher la poubelle. Ça m'a l'air ultra complet pour l'instant. Alors désolé, il pleut un peu hein. On essaie de faire ce qu'on peut, mais bon, le mauvais temps. Ah, y'a plus de saison hein. Eh ouais hein. Et là hop, on espère que la hitbox sera clémente. Formidable. Ah, les jeux glissent. Fabien le Séraphin, bienvenue à toi. Bon, alors, ça m'a gavé. Ça m'a gavé, on baisse le son. Voilà. Là, ça va. Hop. Il faut la remettre là-bas, sinon... Les utilisateurs sont pas contents. D'ailleurs, elle est dans le mauvais sens, là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, la poser. Rejoignez le camion poubelle. On va tenter de faire un truc comme ça. Hop là, voilà. Et de une. Où sont les autres? Ah, de l'autre côté, merde. Attendez, je vais faire un demi-tour. Je vais faire un U-turn. Maintenant. C'est dommage parce que j'allais dire, hey, on sent que j'ai fait ça toute ma vie ou pas. Donc dommage. Dommage. Fucano, enlève la pluie s'il te plaît. Merci. On a 49 900 euros, c'est plus. Quoi, il y en a une juste là? Juste à côté de... Ouais. Allez, maintenant je connais la technique. Comment ça déployer les bras du camion? Bah ça y est. Ah non, c'est de l'autre côté, il y avait qu'un seul côté. Ok. Ok, 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 ok. Hop, hop, hop. Pardon madame. Désolé mais j'ai été mandaté pour récolter les déchets de cette ville. Putain la cinématique. Putain. La cinématique franchement de ouf qu'on se tape pour ce jeu. Mais ça c'est bon ça, on sent que les développeurs sont investis. Hop. On remet les bras. Tac. Le E pour remonter. Allez c'est reparti. Allez allez. Allez allez c'est amusant. Y'a pas de perdant, y'a que des gagnants. Alors hop hop hop. Doucement. Allez on déploie les bras. On prend la poubelle. Hop ça va la retourner évidemment. Non.
vous allez du bon côté et le jeu est bon. Le jeu est très bon. Le jeu est très très bon. Ok. Tac. Cinématique. Cinématique incroyable. Oui, 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 oui. Attention. Hop. On l'a posé à l'envers, mais c'est pas grave. On rétracte les bras. Et c'est gagné. Allez, le conteneur suivant, c'est parti. Allez, salut boîte, salut boîte. Oh là là, et dis donc, ça, ça m'a fait reculer carrément. Vous allez être à court de carburant, trouver une station. Quoi? Ah oh, mais merde. Oh, c'est pas grave. Non, si, c'est grave. Ouais, putain, fichier. J'ai plus de carburant. Non, 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 non. Oh, ça va être ta... ça va être trop la merde, ça va être trop la merde. Non, c'est bon. Oh non, non, non. Oh non. Regardez ça, regardez ça. Regardez bien ça. Hop, et là, U-turn. Oh oui. C'est bon. C'est passé. Ça passe trois fois. Alors les signals. C'est les phares. A, c'est quoi? Pardon, A, c'est le frein à main. Feu allumé. L. Ok. Merde, putain. Je pense que c'est dollar. Dollar? Allez, réavance, abruti. Il faut que je trouve une station-service. Ça devrait être sur ma droite. Oui, juste ici. Et non, raté. Dommage. Dommage, dommage. Alors, attendez, attendez, parce que là... Ouh. Ça passe, là, non? Garer le camion dans la zone indique. Oh, bon. Quand les jeux sont sous-polés, comme ça, vous savez... Hop. Ah, frein à main, pardon. Bon, ok. Comment on fait? Comment on fait pour faire le plein? Et comment ça se passe? Bang. Alors moi, ça avait fait le plein tout seul. Bienvenue à toi, The Lank. C'est bon, Azerator TV. Bienvenue à toi. Ah, c'est bon. Bienvenue à toi, The Lank. Merci de ton abonnement à Azerator Télévision. Je comprends que tu t'abonnes quand on voit du contenu comme ça. Honnêtement, comment ne pas s'abonner? Je comprends avec toi. Je comprends avec toi. T'es pas obligé de retracter les bras à chaque fois, technique de speedrunner. Moi, ça me tue parce que quel que soit le jeu de mort... Putain, j'ai encore reçu une amende. Quel que soit le jeu de mort, ouais, déjà, j'ai encore reçu une amende, quel que soit le jeu. Mais ensuite, t'as toujours un mec qui connaît. Même au jeu d'avant, à Christmas Shopper, t'avais un mec qui était en mode... Alors, pour déverrouiller les personnages, c'est très simple, tu fais le code zap et tout. Ouais, va choper la voiture au premier étage, tu vas voir, c'est une voiture prout, c'est énorme. Donc que des trucs comme ça. Et à chaque fois ça m'épate, je dois avouer. Fred, allô. Ah voilà, on peut pas aller plus loin. Dommage. Je mets un survêtement et j'apprends le Kung Fu à Lionel Jospin. Pug. J'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte. Et puis ensuite j'ai compris. J'ai compris. Merci à toi. Encore une fois. Alors est-ce que je vais pouvoir l'atteindre? Parce que là il y a quand même une voiture derrière moi. Pff, ça sent le pâté là. Ça sent un truc que je vais pas pouvoir faire. Je vais enfin pouvoir finir ma première tournée. Je vous cache pas que j'ai des petits battements au cœur là quand même. Attendez, attendez. Attendez, attendez. C'est l'échec. En plus je vais avancer, ça va avancer direct, c'est ça? Ah, ça ne passera pas, malheureusement. Courage, courage. C'est qui a écrit quoi? What you need, naturally. Naturally. Comme disaient les flammeurs dans StarCraft, first of his name. Ah oui, d'accord, putain, les accélérations, quoi. De 0 à 300 en une seconde. Les voitures des jeux de simulation. Vous n'avez jamais vu un moteur comme ça. Vous n'avez jamais vu des roues comme ça. 4 roues motrices plus une cinquième au milieu peut-être. On ne sait pas tellement elles vont vite. Attention, pardon. Merci. Heureusement les gens ont des freins à toute épreuve. Des freins à l'épreuve de la ville. Regardez-le comme il est
Comme il est courbé quand il fait ça, comme Julien. Regardez ça, hop. Allez, c'est terminé, vous avez terminé une mission, vous avez gagné de l'argent, des points de satisfaction, des habitants et de l'expérience. J'ai gagné des habitants, cool. J'ai gagné des habitants, je suis bien content. F5 pour les missions. Recyclage du plastique, ça on n'a pas fait. Acceptez la mission, c'est parti. Allez. Allez. Ah, elles veulent passer, mais pas d'accident, regardez. C'est le futur, hein, quand les voitures seront contrôlées par des systèmes électriques uniquement et plus par des humains, plus d'accident. Direct, hop. Il ne faudra pas qu'au milieu, il y ait un humain. Mais sinon, ça va. Ouais, les sons d'orage de mort, je sais. Mecs qui sont sur le chat, mais les sons d'orage de mort, là. Fred, je t'en supplie. C'est bon. J'y vais. Alors, retracte pas les bras. Technique de speedrunner, on m'a appris tout à l'heure. Daddy Dadder. Hop. Non, What the hell is that? Ah, parce que c'est recyclage du plastique, j'ai pas le bon camion, c'est ça? Mais vider le conteneur à déchets plastiques. Bah si, pourquoi? Oh, faut que je change de camion. Changement de camion! L'autre camion. Allez, c'est parti pour le plastique! Hop, ça, ok! Oubou, bibi! Qu'est-ce qu'il veut? Attendez, parce qu'il y a un Sims qui veut me parler là. Je vais lui rendre la quête, je vais gagner des habitants, de l'argent, de l'expérience. Formidable. Bonjour. Et boum! Je crois que j'avais déjà la récompense, mais bon, c'est pas grave. Ça passe là? Avoue que ça passe. Oh, ça passe pas, putain. On repart. Collecte des déchets plastiques. C'est parti. C'est parti. Un camion qui va aller à 600 km/h. Si on le laisse un petit peu prendre de sa puissance. Oh, les bâtiments sont magnifiques. Alors, je sais pas comment on fait pour aller en intérieur, changer de vue. Et non, ce n'est pas F1, malheureusement. Ni F2, ni F3, ni F4, ni F5, ni F6, ni F7, ni F8. Putain, le F8, mon pote. Proposition de prêt. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire toujours des prêts dans ces jeux qui deviennent plus en fait des jeux de gestion à la fin. Au début, on gagne un petit peu d'argent avec des premières quêtes et puis très vite, on se rend compte qu'on peut tout automatiser et faire aux IA tout ce que nous faisons habituellement. Fin de l'orage, retour dans 30 secondes. Exactement. Nouveau casque de protection plus 2 en intelligence. Oh putain, vous êtes con. Ah, vous êtes con et vous êtes marrant. Parfait. C'est exactement l'arrêt que j'espérais. Déchets plastiques, me voilà. Tremblé. Non, c'est pas V, non. La vue intérieure. Je pensais V ou C, en général, c'est ça dans ces jeux-là. Mais là, c'était ni l'un ni l'autre. Désolé. Allez, j'en fais deux, vous avez vu ça? J'ai calculé en speedrun, à mon avis, c'est mieux. Tu as gagné des habitants? Comment ça se fait, le recyclage? C'est comme ça qu'on fait des bébés? Oui. Exactement. Pardon, mademoiselle, vous gênez ma collecte de déchets plastiques. Continuez, vous faites du bon travail. Mais je sais, je ne m'arrête pas, je suis ultra motivé. Par le camion poubelle, soyez purifiés. La meuf est en train de draguer le camion. Le mec a dit, tiens, c'est marrant, chez moi ils font la même chose pour garer les camions poubelles. Ah, vous êtes cool. Est-ce qu'on speedrun le truc, genre on le laisse là et on pousse la poubelle avec le camion en allant à l'autre truc? Ce serait dingue. Toujours chercher dans la rentabilité. Bon, on les replacer là. Est-ce qu'on a été pas trop opti là? On a été méga opti là, je pense. Oh là là, regardez ça. Hop, et voilà, c'est replacé. Et on repart, direct. Bam. Oh là là, mais ça c'est PGM. Ça c'est ultra PGM. L'essence, merde l'essence. Oh non.
Ultra chiant ce jeu avec l'essence. Et ouais, Faker, mais oui, exactement, c'est la Bretagne ou quoi. Non mais c'est un bon jeu. Et ça coûte seulement 25€, n'oubliez jamais que ce jeu ne coûte que 25€. Une bagatelle quand on voit ce qui est sur Steam pour 25€, honnêtement. Pourquoi ne pas foncer, aller chercher ce jeu là. Par contre, faut la redéposer où? Ah c'est ça, ici. Station essence. Fonce Slimane. Ouais, elle est la même que tout à l'heure. En fait, faudrait aller un peu plus là-bas, mais j'ai peur de pas croiser station essence après, donc j'ai pas envie de tomber en rade en plein milieu d'une mission. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire le plein là où je connais, parce que je connais bien le pompiste, et du coup j'y vais. Allons-y. Et oui, c'est comme ça qu'on dit, les gens qui travaillent à la pompe, les pompistes. Vous allez être à court de carburant, trouvez le véhicule. Trouvez le véhicule dans la liste et faites le plein. Ou rendez-vous à une station de service. Quoi? On peut juste... Oh putain. Non. Ouah. C'est bon. C'est passé. Il va me faire un prix, Et voilà un petit caniche. Allez, on repart. Formidable, on est passé de 0 à 100. Bravo, monsieur, là-bas qui a gagné un plein gratuit. Allez, deux pleins faits, c'est un plein offert. Cadeau de la maison ce soir, c'est tout le monde qui repart avec un plein offert. La petite dame là-bas, elle a gagné une peluche tout à l'heure. Avec son plein offert. Un plein offert plus 2€ égale une peluche achetée. Si vous faites le plein et que vous rajoutez 20€, vous avez un DVD de merde. C'est énorme. Pas besoin de payer. Je vais faire ça pendant 2 semaines en job étudiant. Et oui, mais regarde, là tu fais ça sans pénibilité et en plus tu gagnes 0€. Donc franchement, et en plus t'en dépenses 25 pour le faire. Donc franchement, pourquoi ne pas foncer? Pourquoi ne pas abandonner ton travail de vrai éboueur pendant 2 semaines et faire un travail fictif d'éboueur à 25€? Eh bien, ou tout simplement, tu ne gagneras absolument rien. Même tu perdras de l'argent et du temps. Donc honnêtement, je vois pas pourquoi tu hésites encore. Bon, attendez, faut que je m'arrête. Voilà. Désolé, mais là, on était en cas de force majeure. Je suis vraiment désolé. Oh! Oh non! Oh non! Tes voitures dans ta vie, elles font de ces drifts. Non, c'est bon, ils me gênent pas. Je pense qu'ils me gênent pas. Attendez, les feux rouges. Non, mais les feux rouges, c'est bon, je suis éboueur. C'est comme si vous demandiez au vélo de respecter un feu rouge, vous voyez. Il y a des gens au-dessus des lois, genre les vélos. Alors moi ça me saoule un peu les vélos qui rient les feux rouges. Je trouve ça un peu con. Parce qu'après c'est les premiers à se plaindre de ouais on fait pas assez attention à nous et tout. Et pff, quand je les vois griller les feux rouges. Autant s'ils passent sur le trottoir, ça va. Mais quand ils sont sur la route qui grillent le feu et qu'ils sont en mode bah oui je suis à vélo, les signaux comptent pas. Mais mec t'es ouf. Moi je trouve ça dangereux en fait. C'est même pas une question de respect ou pas quoi. Juste bah vous voulez mourir, bah mourrez, qu'est-ce que je vous dis. Félicitations, vous avez terminé une mission, vous avez gagné de l'argent, des points de satisfaction, des habitants, de l'expérience. On a gagné des habitants. Mais non, on ne gagne pas des habitants, vous avez pas compris ou quoi? Bon, 53 000€, c'est plus. Je vais au garage. Pimp my truck. On va le changer de couleur, parce que vert, c'est pas assez bien. Faudrait le mettre en noir pour le recyclage. Alors, attendez. C'est là le garage? Non, c'est pas ça. Squeal. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bugué. Attends, c'est bugué mon truc, je vois pas. Il a dit, on a le chef avec les recettes, moi j'ai envie de mettre des phrases qui n'ont pas de sens à la Camoulox. Je déguise Zerator en poireau et je chante du Tino Rossi en ch'ti. Je sais pas pourquoi ça a été censuré, je suis désolé. Ah oui, on va. Merde! Salut à vous tous sur le chat. Salut Sacha Dubois, merci à toi. Après le chasseur de dinosaures avec du métal, l'homme sandwich dans un supermarché découvrait un monde sans limite où pouvait être éboueur son père. Ah non, c'est pas la première fois qu'on découvre qu'on peut être éboueur dans un jeu vidéo. Ça non. Ah ça non. Évidemment. Non, merde. Attendez. Si l'on supprime l'essence, il faudra remettre les bons. Il n'y a plus de bon sens. Ils sont uniques ou interdits. Donnez-moi 900 francs. Vassili jeu qui parfois... Parfois, Vassili Jeu, t'es un gros con sur le chat. Tu crois que je te vois pas à dire des trucs qui sont complètement stupides? Néanmoins, tu restes un viewer fidèle et pour ça, je te remercie. Mais parfois, t'es un peu un enculeur de mouche. Ouais, t'inquiète, je sais. Et c'est pas parce qu'on m'a rapporté des choses, c'est parce que je te vois écrire des conneries. La dernière fois, t'as fait un truc, t'as fait un débat sur je sais pas quoi, comme quoi si un jeu est sur Steam, il n'est pas indépendant. Qu'est-ce que t'as été con ce jour-là? Oh là là, qu'est-ce que t'as été con ce jour-là? L'orage, Fucano, enlève la pluie, s'il te plaît.
Non, mais comme ça, il le sait. Genre des phrases choc. Non, mais vous voyez, mon accusation n'est pas juste et pas infondée. C'est un vrai truc. Le plastique, c'est ma spécialité. Non, mais je dis pas ça pour l'énerver ou quoi. À vous, Vassili Jeu. À vous. J'ai pas dit qu'il était stupide. J'ai dit parfois il dit des trucs complètement cons. On dit tous des trucs cons, même moi. Et il a dit je le savais déjà. Bon écoute, Zera, je t'aime. Il y a Mius. Mousse. En fait, c'est Mousse, ton pseudo. Mousse, en fait. Non? Franchement. Regardez. Je passe pas du tout par le bon chemin, fais chier. Je vais plus avoir d'essence. Si, c'est bon. C'est Muse. Ah, Muse. Mais mec, Ah ouais, Muse, bah oui. M-E, Mi, W-S, Ouse. Muse, ok. Vous avez vu ce nouvel éboueur qui passe pour ramasser le plastique? Il fait que klaxonner. Un peu con, non? Ah, le plastique! Ouais, je l'entends gueuler à sa fenêtre, il ouvre sa fenêtre. Ah, le plastique! Driez vos déchets, c'est important! Un peu bizarre, non, ce nouvel éboueur. Freinage d'urgence. C'est bon. On amène des poubelles. On fait toujours les mêmes gestes. Et ça sent pas la rose. Quoique le plastique ça va. Non, encore, d'emballage de merde de bouffe en plastique. À la limite, ça peut être la merde. Oh, wow. Businessman. Et c'est la photo d'un mec qui gère une entreprise d'éboueurs. Ce serait pas moi par hasard, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est énorme. Vite la cinématique des déchets. Ça y est, ramène la poubelle maintenant, connard. C'est genre un jeu complètement épique. Est-ce que si je strafe comme ça, je vais pas plus vite? Je crois que je vais plus vite, non? Non, c'est une illusion. Je pense que c'est une illusion de l'esprit. Très bien. Suivez-moi, je connais un passage. Alors est-ce qu'on met peut-être le camion plus près, je pense. Déplace. Déplace-le. Attention. Mais où sont les seaux de poubelle? C'est à n'y rien comprendre. Les voitures ont disparu, Zerator. Alors oui, ça c'est normal. C'est parce qu'en fait, dans tous les jeux de simulation auxquels je joue, au bout d'un moment, les voitures disparaissent. On ne sait pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que comme aucun développeur n'a joué plus de 20 minutes à son jeu, ils ne savent pas qu'au bout d'un moment, les voitures disparaissent. Et c'est une vérité. La dernière fois, on a même eu des piétons qui ont disparu. Et on n'avait plus rien dans la ville, c'était une ville fantôme. Du coup, on était assez tranquille, je vous cache pas, pour faire notre métier. On était plutôt contents, pas avoir affaire à tous ces connards. Mais et du coup, oui, c'est normal. Hein. C'est normal. Plus vite, peut-être pas, mais ça m'a fait bien gerber. Go. Alors il nous arrive parfois de recroiser une ou deux voitures. La dernière fois, je sais plus sur quel jeu c'était, on avait plus de voiture de police par exemple. On faisait n'importe quoi. Et nous n'étions plus punis et réprimandés pour les excès et les fautes que nous faisions. Alors là c'est encore mieux, c'est à dire qu'on a des bruitages de route mais personne qui va sur la route. 25€ pour ce magnifique klaxon, j'achète. Exactement. On a même des chiens étendus sur la terrasse. Oh mon dieu. C'est bon. Là je me suis super bien garé, honnêtement. Je commence à gérer le game. Mais genre d'une force. Regardez ça. Mission terminée. J'ai gagné de l'argent. Alors attendez.
recyclage du plastique, des déchets. Mais putain, c'est très chiant. Alors, en fait, il y a plein de trucs disponibles, vous voyez. Parce qu'en gros, on a un menu. Ah, les mails, c'est là. Lettre du bureau du maire. Merci d'avoir choisi d'implanter votre entreprise ici. Sinon, on aurait trop de déchets chez nous. Les habitants demandent une meilleure gestion urbaine et nous espérons que vous serez à la hauteur de leurs attentes. Vous avez beaucoup de travail, mais nous sommes certains que votre entreprise va se prospérer tellement on est des gros porcs. Vous voulez sans doute vous mettre au travail dès maintenant. Félicitations, bonne chance. C'est ça. Optez un nouveau bâtiment pour un prix de bâtiment. Et vous pensez à développer votre entreprise? C'est l'occasion rêvée à présent. Vous souhaitez voir votre logo dans tous les recoins de la ville? C'est possible. Vous voulez réduire vos dépenses et faire plus de bénéfices? Pas de problème si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Consultez la liste des bâtiments dans le menu de la boutique, c'est ça. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez besoin d'un véhicule plus grand? Des véhicules adaptés aux services de gestion urbaine professionnels sont maintenant disponibles. Vous pouvez agrandir votre parking et acheter un véhicule pour un employé ou tester vos nouvelles compétences. Très bien. Votre banque est prête à vous proposer un prêt. Bien joué, mission terminée. Supprimé. 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 Et là, j'arrive et je fais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des points de talent. Il y a des points de talent. Style Better Games and Diablo 3. Alors attendez. Les différentes entreprises de la ville jettent des quantités phénoménales de papier. Recyclez-le, déverrouillez le camion de recyclage de papier. Les zones où vous collectez les déchets semblent bien plus propres que le reste de la ville. Obtenez 20% de satisfaction des habitants. En plus, quand vous terminez l'émission d'agent de déchets. J'ai pas assez de points de talent. Putain, merde alors. Alors les prêts. Alors évidemment, on va faire tous les prêts du monde. Ah merde, on peut pas emprunter plus de 100 000. Merde. Ensuite, on va acheter un bâtiment. Genre une station-service. Ça coûte que dalle! Vas-y, j'achète encore une station-service! Et ça, ça vous rapporte de l'argent ou pas? Eh, je vais être le boss des stations-service! Je vais être le king du game des stations-service! Et ainsi, je monte tous les prix. Total, vous viendrez plus chez nous par hasard. Forcément, il y en a partout. Regardez, regardez. Station service, station service. J'achète toutes les stations service. Voilà, king du game. Donc malheureusement, il me manque une station service que je vais bientôt acheter, parce que je suis le king du game des stations service. Et donc elles sont toutes à moi. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Donc là, voilà, j'ai plein de stations service. C'est trop bien. Pour l'instant, une plus-value de 0 puisque je peux les vendre au même prix. C'est déjà pas mal. On va encore contracter des prêts. Chier, putain. On peut rien, on peut pas contracter 10 000 prêts, c'est de la merde. Ça a pas de sens. Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut avancer le temps. Ah, je m'endette. Regardez, je m'endette. Les stations service ne rapportent rien. Ah, combien on est en banqueroute? Oh, je perds plus d'argent. J'ai glitché le jeu. On peut pas aller en dessous de 104 434 euros. Il achète toutes les stations service, mais il n'y a pas de voiture. Non mais si, pour la base de données du jeu, elles sont là. 37ème jour, toujours pas en faillite. Je suis un boss dans le game, je suis un boss dans le game. Revenir au menu. Voulez-vous vraiment quitter la partie? Non. Parce qu'en fait, si je vais là, oh, système jour nuit. Il y a un cycle jour nuit, hein. Colossalement incroyable. Et il a pas dormi depuis 45 jours, le mec est là depuis 45 jours dans son camion. Oh, putain de merde. Heureusement, j'avais fait des réserves de bouffe et de nourriture. Juste là, entre les petits trucs métalliques. Ouais, non, non, alors. C'est quoi? Attention, vous êtes à découvert. Si tu me... Ces derniers temps, vous semblez réaliser plus de dépenses que vos bénéfices. Peut-être seriez-vous intéressé par un prêt? Hein? Votre banque est prête à vous proposer un prêt. Ah, cool. Le vrai capitalisme. T'es dans la merde, t'as qu'à faire un prêt. Et oui, parce que j'ai remboursé mes deux autres prêts du coup. Zera, roi du pétrole. Putain, j'ai plus que 27 000 boules. Je peux pas rembourser, putain, non. Mais regardez, là je vais arrêter de mes prêts. Voilà, les mensualités c'est bon. Donc là on va emprunter 60 000. Et là on va re-emprunter 60 000. Hop, je suis en positif. Ah non, je peux pas emprunter plus de 100 000. Merde, ça se fait exprès. Ah, c'est insupportable. Quel jeu nul. Putain, moins 33 000. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, super, super, on est dans la merde. On sait pas trop quoi faire. Oh mon dieu, réserve de bouffe et de nourriture j'ai dit. Ah merde, je voulais dire réserve d'eau et de nourriture. Vous avez compris non? Bon bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va achever notre jeu. Honnêtement je suis déçu parce que, alors comme d'habitude ça devient plus des jeux de gestion que des jeux de gameplay pur dans lequel on pourrait faire des choses, hein, de gameplay. Moi honnêtement je suis sûr qu'on pourrait faire des jeux comme ça avec des gameplays intéressants, j'en suis sûr et certain. C'est juste qu'en fait les mecs se concentrent plus sur la gestion qu'autre chose. D'autant que quand vous allez voir ce jeu sur Steam, il y a des vidéos
de comment ils ont fait le jeu. Et on voit qu'ils sont allés voir des vraies entreprises de nettoyage dans des villes et tout. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs de ouf. Et j'ai trouvé ça trop marrant et émouvant en fait. Je me suis dit, putain, les mecs, il y a eu une réelle passion autour de ce jeu. 25 boules. Voilà. Et donc je me suis dit, c'est quand même marrant. Bug! Bienvenue à toi, Tigris de Suisse. Bienvenue sur Azerator Télévision. Merci de ton sub. Je te remercie. Regardez. Ça, c'est les vidéos sur Steam. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Ça charge pas. Ah, Michael Litrovski, CEO and founder de machin. Bon, lui, il est lead designer. Donc ça, c'est les mecs qui ont fait le jeu, d'accord. Mais c'est des vraies vidéos. Ils vont vous montrer, en fait, qu'ils se sont donc inspirés. Regardez, à côté des vrais camions, ils ont dessiné donc les trucs. Ils se sont inspirés, ils ont pris des vraies photos. Bon, on sait pas s'ils se sont inspirés pour les vraies rues, mais c'est assez bizarre. Et voilà. Et donc, vous avez des vidéos qui retracent comment ils ont fait le jeu. Voilà, vous avez des vidéos un petit peu humour, à côté des bâtiments, des véhicules et tout. Et j'ai trouvé ça marrant. Je me suis dit, bah voilà, ces mecs-là, ils ont de l'humour en fait. Je me suis dit que ces mecs-là avaient de l'humour. Je me suis dit, faut qu'on achète leur jeu. Mais le jeu reste un peu pourri. Ah, le jeu quand il n'était pas texturé. Ah, c'est bien dommage. Il aurait pu rester comme ça, ça aurait été marrant au moins. Oh là, c'est les orages, hein. La feature principale du jeu. Bam, les petits éclairs, ça vous avez pu en jouir évidemment ce soir. Hop, ils ont vraiment poussé des poubelles dans la vraie vie. Ils ont pris les positions, ils se sont dit ok, c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, vous avez des screenshots du jeu normal en vous détaillant qu'il y a des cycles de jour, matin, jour et nuit. C'est la folie. C'est la folie totale. Des screenshots en HD du jeu avec la pluie évidemment. Voilà, un jeu qui n'a pas été downgrade, hein. À côté de ça, Watch Dogs peut aller se rhabiller. Donc franchement, bravo à eux. Bravo à eux, la passion de la poubelle leur a fait faire un jeu. Moi je les remercie, vous voyez. C'est grâce à eux qu'on a des jeux comme ça. Donc bravo à eux. C'est tout pour ce Zerator Simulator, mesdames et messieurs. J'espère qu'il vous aura plu. On a fini à 23h, c'est la folie, non? C'est la folie. Ce jeu est bien dans son domaine, c'est de la simulation, donc c'est chiant. Mais après, la réalité, c'est chiant. Sur ce, go me pendre. Et ouais. N'empêche, c'est ouf comme ils se sont fait chier pour ça. Mais oui! Bien sûr! Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Mesdames et messieurs, eh bien écoutez, moi je vais vous laisser. On se retrouve dimanche pour l'Independence Day, le dernier stream avant les fêtes. Enfin, le dernier stream programmé. Après, il y aura quelques petits streams comme ça, offline à l'arrache. Ce sera dimanche à 20h, l'Independence Day. Ne ratez pas. Il y aura la putaclic, il y aura deux jeux indépendants. Les deux jeux indépendants sont bien. Ils sont vraiment bien. On a des grands crus en Independence Day en ce moment. Et je pense que ça va être deux bons jeux encore une fois. Donc, on se voit dimanche à 20h. D'ici là, portez-vous bien. Soyez sages. Pas trop de délire. Et n'oubliez pas, je serai toujours plus con que vous.